Et le Corki qui s'est lancé sur le Velko, qui le punit avec quelques auto-attaques. Le Jarvan est juste à côté, réussira-t-il à s'en sortir? Apparemment ça passe, le R qui est raté. La Fura qui est là juste derrière, Corki est en difficulté, petit repositionnement, ultime de Nami arrêté par Fura. Corki qui fait un doublé, qui s'occupe de la Soraka, c'est un triplé de la part de Corki. Et quadruplé de la part de Corki toujours, ça va pas changer. Soit dit, si ça a changé, ce serait quand même bizarre. Corki qui s'élance sur la Kai'Sa, réussira-t-il à la voir? Ah, ça me semble compliqué, on va voir comment il s'en sort. Oh, nous voyons un mouflet mécanique. Bien joué à tous.